Yo tout le monde, ça c'est Agneau. Et on vient de passer les 100 abonnés sur la chaîne. Alors tout d'abord, merci à tous. Vous tous qui avez cliqué sur le petit bouton s'abonner pour mon contenu. Ça fait plaisir. Donc comme vous le savez déjà sur mon... Je propose du Flying Simulator, des vidéos tuto et un peu de Call of Duty. Donc aujourd'hui on vient de passer les 100 abonnés, donc déjà on va parler un peu de ce qui va se passer pour les 100 abonnés. Ça se célèbre quand même un peu des petits trucs. Penser 100 abonnés, c'est pas 1000 abonnés, mais bon, ça se célèbre quand même un peu. On va pas faire un grand truc de malade, bon, mais ça reste quelque chose quand même, c'est un palier. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, j'avais déjà passé les 100 abonnés. Mais bon, il y avait des abonnés inactifs et avec le bug YouTube ou je sais pas comment dire, le hack ou je sais pas quoi. Donc il y a eu des pertes d'abonnés, donc d'abonnés inactifs pour ma part, donc ça me voit. Donc, et maintenant je suis avec 100 abonnés pour la plupart actifs. Il y a encore quelques inactifs, mais ça va. La majorité sont actifs sur ma chaîne et ça me fait plaisir. Bon, quelques dislikes. Et je comprends bien, c'était des vidéos de merde. Et bien, donc aujourd'hui on va parler un peu de ce qui va se passer pour le futur de ma chaîne. Et aussi, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passait pour monter mes vidéos et tout ça, qu'est-ce que je faisais. Donc, pour commencer, on va commencer par quoi? Bon, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver jusque-là, hein? Donc, un peu l'histoire de ma chaîne. Donc, pour commencer, ma chaîne au début, il y a eu plusieurs noms, gaming et tuto FR et tout ça, des vidéos, des petits trucs comme ça. Et donc, je prenais pas vraiment soin de ma chaîne, j'avais délaissé ma chaîne. Je vais vous montrer, afficher plus, je vais essayer. Oula. Voilà. Vous avez cliqué sur une vidéo. Bon, faites pas attention. J'espère que la vidéo sera pas très longue, hein. Je suis tellement content. Donc au début, j'ai commencé avec une chaîne FSX et DCUO, donc DC Universe Online, un jeu que j'aimais bien. Bon, je joue plus trop à ça, avec quelques tutos qui ont pas mal marché, 30 et ça, 565 vues. C'est j'ai modifié parce que mon tuto n'était pas vraiment bien fait. Et je sais pas si je vais en refaire un pour résoudre les problèmes de FSX sur Windows 10. Ensuite, je faisais quelques vols. Notamment, j'ai fait un tuto de démarrage PMDG 737. Je vous conseille pas. C'est de la merde, on peut le dire. C'était au début, j'étais vraiment nul quoi, au simulateur. Et donc, je suis arrivé sur Evo il y a presque un an maintenant et je me suis nettement amélioré. Ce qui a donné accès à des vidéos comme ça, bon, et plein d'autres après. Donc ouais, comme ça aussi, un tuto pour les radios mettre à jour, donc c'est Ivo qui le propose. Ensuite je fais aussi du BO3, donc ça a rien de particulier, je suis assez bon à Black Ops 3, aucune nucléaire à mon actif pour ceux qui connaissent. Je fais pitié, mais je suis assez bon, mais aucune nucléaire quand même. Donc qu'est-ce qui m'a permis? Donc je me suis passé partenaire Mailberry il n'y a pas longtemps, pas pour l'argent bien sûr. Bon, l'argent ça sera plus tard pour améliorer mon matériel. Ce qui m'a permis d'avoir accès à des trucs comme Epoxy, que vous pouvez voir là, qui me permet de gérer. C'est ça qui me permet de répondre aussi vite à vos commentaires et tout. Donc j'ai ici YouTube, Twitter, Facebook. Donc j'ai tout ce qui est sur YouTube, Twitter et Facebook. Je peux ajouter Instagram, ma page Facebook. Donc dès que j'ai un commentaire, je le vois ici. Je peux être aussi actif, hyper actif. Je peux aller assez vite. Ensuite, j'avais Epic Sound qui me permet d'avoir des musiques. Les musiques... que je pouvais avoir gratuitement. Et après avec le support et éléments graphiques par exemple, ça m'a permis de créer ma bannière sur la chaîne. Je me suis aidé d'une chaîne, j'ai oublié le nom,
et tout. Donc ça m'a permis de reprendre en main ma chaîne et de l'améliorer. Et donc aujourd'hui on est aux 100 abonnés, j'ai aussi une chaîne Twitch. Et n'oubliez pas la page Facebook, c'est très important aussi. Il y a des petits trucs que je mets, aussi Twitter, que j'utilise pas beaucoup. Donc on a ça, 100 abonnés, voilà, on les a passés, nickel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour le futur de ma chaîne? Déjà, on va parler des événements. Donc, pour les 100 abonnés, je vais essayer d'organiser un petit truc sur l'aéroport d'Ajaccio sur Ivao. Donc, un petit live. Comme celui-là, c'était juste un test avec des compagnies et tout. On va essayer de faire un petit truc. Mais, vu qu'Ajaccio est un petit aéroport, il va... ça va, c'est dommage, mais... bon, je vais pas contrôler sur Nice non plus, j'aime bien Ajaccio. On va faire un petit truc parce qu'on peut pas faire un grand truc sur Ajaccio qui reçoit pas beaucoup de monde. Enfin, sur Ivo, ça reçoit pas mal de monde, mais dans la réalité, ça va, le monde, c'est moyen. C'est pas comme à Nice ou à Charles de Gaulle, quoi. Et donc, on va faire un petit live. Ça c'est pour FSX, tout ça, mes abonnés FSX. Ensuite pour Black Ops 3. Donc on va faire un petit pack opening, une ouverture de ravitaillement qui sera pas trop mal. Ensuite là je prépare un clip FIFA. Bien sûr, vu que je suis fan de Cristiano, ça sera mes buts de Cristiano. Voilà, donc ça c'est pour les spéciales, sans abonnés, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Mais je me concentre plus sur le live, niveau. Va falloir que je voie ma qualité, quelle image je peux envoyer. La dernière fois j'ai pu envoyer du HD, et j'ai pas eu de coupure de bug. J'ai eu peut-être 53 paires d'images, je crois. Je sais pas quelles étaient les raisons. Et peut-être que je vais aussi placer genre Ivaï, je sais pas si vous connaissez, pour avoir genre un avion. Et je vois de là tous les trafics sont qui me voient sur FSX, du coup ça rend plus réaliste la tour. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le futur de ma chaîne? Donc là c'est bientôt la rentrée, va falloir que je me concentre, je suis au lycée. Hein. Donc du coup je vais essayer de prévoir un minimum d'une vidéo par semaine peut-être, ou de deux vidéos par mois. Donc une vidéo FSX minimum par mois, hein, ça c'est sûr. Il y aura pas de Call of, je suis désolé, mais il va falloir que j'arrête de jouer à Call of pour la rentrée. Les clips FIFA, je sais pas, ça dépend si des amis peuvent m'envoyer des clips, des buts ou des trucs comme ça, je ferai le montage après, ou si vous même vous pouvez, ça va aussi, vous le dites dans les commentaires, hein. Ensuite qu'est-ce qui va se passer encore? Donc pas grand chose, hein. Juste vu pour les vacances ça va aller assez vite, je vais sortir plein de vidéos, mais ces vacances là sont passées assez vite, du coup la rentrée je sais pas trop quel sera le programme. Mais le seul truc que je peux vous dire, ça va être chaud l'année prochaine quand même, il y a bac et tout. Il y aura peut-être, je vais essayer de planifier des vidéos pour qu'il y ait une vidéo par semaine. Et si je peux pas, il y aura deux vidéos par mois minimum. Et les vidéos minimum, une FSX, je dis ça parce que l'autre, ça peut être un tuto. Il peut y avoir deux tutos et une vidéo FSX. Attendez, désolé, je mets une pause, j'arrive. Alors on va poursuivre, désolé, il y avait du bruit derrière moi, j'ai préféré mettre pause et éviter le bruit. Et donc qu'est-ce que je disais déjà, donc il peut y avoir aussi deux vidéos FSX mais aucun tuto, donc ça va varier ainsi de suite. Bon, les smiles, tout ça, ça va s'arrêter. Tout ce qui est jeu PlayStation 4, ça va s'arrêter. Sauf pendant les congés. Pendant les congés, il y aura minimum une ou deux vidéos sur PlayStation 4. Donc, peut-être du FIFA, je vais essayer de voir. Ensuite, je vais essayer de faire le live, hein, je vais me préparer et tout.
Moi, je pense qu'on a fait le tour de tout. Si j'ai oublié des détails, vous pouvez poser les questions dans vos commentaires. En attendant, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que vous êtes content tout comme moi que j'ai passé les 100 abonnés, mettez un petit GG dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus et on se retrouve pour le live unboxing. Unboxing, qu'est-ce que je raconte? Ouverture de pack ravitaillement et le live futur. Sur Evo. D'ailleurs, non, on se retrouve pas. Attendez. Donc, allez voir la page Facebook et Twitter. Essayez de voir lequel vous arrange parce que c'est dessus que tout va se passer, la création de l'événement et tout ça. Peut-être que je vais en parler vite fait sur YouTube, mais c'est plus sur Facebook et tout que ça va se passer. Allez, puis.